Salut YouTube, toujours sur Horizon. Un jour, j'aurai fini ce jeu et je ferai autre chose de ma vie. C'est promis. Mais coucou Nomerity. Mais pour l'instant, je m'éclate. J'espère que ça va bien Nomerity. J'espère que ça va au mieux. Tout du moins. Bon alors. Alors les défis, ils avaient l'air d'être un peu relous là. Pour ce truc en particulier. Vas-y. Tu en redemandes? Bien. On va parler à Arnaud la gardienne. Alors, maîtrise. L'épreuve de maîtrise teste la capacité d'un chasseur à maîtriser la seule les plus sages comprennent ses armes chamaniques. OK, j'accepte. Descends dans l'arène par la corde, qu'on commence. Laisse-nous un moment pour attirer les machines jusque dans les arènes. Puis prends la corde. Donc j'ai quoi? Commencer l'épreuve en descendant la corde, tuer les machines avec le foudre, avec le foudroyeur. C'est celui-là, hein? Oui, il me semble, c'est bon. Alors on a quoi comme machine? On a charognard des veilleurs, charognard des veilleurs. Et ravageur. Allez, let's go. Bon. Aïe. Ok. Faut le faire en 55 secondes pour le meilleur temps. Mais est-ce qu'il faut pas juste les affaiblir avec autre chose avant? J'ai même pas réussi à avoir le deuxième quoi. Ça a l'air d'être chaud. Troisième place du premier coup. Ah, c'est vrai. Il ne faut pas te sous-estimer. Ok. L'épreuve d'assaut permet de voir si tu es des vagues successives de machines. C'est le seul moyen de les... Je compterai dès que tu seras descendu. Laisse-nous un moment pour attirer les machines. J'ai fait mieux qu'un champion. Je devrais faire parler le Vérac. En fait, on doit parler de moi à la cime du champ. Il est temps de défier Aratak. Ah, d'accord, ok. Fais des vagues de machines, ok. J'ai mes trucs. Let's go, c'est parti. Oh merde, j'ai pas chargé. Ok. Que se passe-t-il?
Accéder à la zone suivante. Il faut avancer. Et donc faut être près de la porte quoi. Ah, je peux me servir de ça, ouais. Non, ils vont venir, merde. Aïe. Ça m'a fait mal. Est-ce que je peux... Oui. Répare. C'est bon, je l'ai eu. Ah non, d'accord, faut l'éliminer. Super. Donc faut vraiment pas les... Ouais, d'accord. Donc j'ai perdu trop de temps. J'ai perdu trop de temps parce que... Je l'ai piraté et derrière, Ah non, loupé ! Ah, loupé deux fois ! C'est pas comment. Casse-toi, toi. Merci. Il est où l'autre? Il est où? D'accord. À chaque fois, je les loupe, hein. Vas-y, saute! Merde. Pas fait gaffe. Ok, il est où? Il est où, petit connard?
Ah, c'est bon. Ah. Celle-là, honnêtement, il y a moyen que je la réussisse. Celle-là, il y a honnêtement moyen que je la réussisse. Ça veut pas. On va marcher. Ça a pas l'air si compliqué là. Si j'optimise mieux, ça devrait le faire. Genre si j'ai pas perdu de tant de temps sur le l'ennemi que j'ai piraté, j'aurais pas dû. Clairement, j'aurais pas dû le pirater. Ce n'était que ton premier essai, mais tu as fini. Ok, du coup on y retourne. Des vagues successives de... C'est le seul moyen. On commencera dès que tu auras pris la corde. Laisse-nous un moment. On y retourne, on y retourne. C'est parti. 3:30, ah ouais. Tout de même. Ça commence mal. Ça commence très mal. Ça commence super mal. Non mais arrête! Oh mais tout à l'heure j'ai réussi le premier coup ceux-là. Là j'arrive plus. Voilà. Ah, il se barre à ce moment-là, le salaud. Voilà, ça c'est fait. Non mais... T'as les bâtards. Allez. Évidemment. C'est quoi maintenant? C'est quoi? Oui. J'ai une minute pour vous dire
Merde, merde. Merde. Ah mais... Quoi? Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite. Oh, oh merde. Non. Comment j'ai fait pour pas l'avoir là? Je vais y arriver à un moment. Voilà. Voilà. Donc là, il faut que je bute le ravageur sans prendre son arme. Putain, il bouge à ce moment-là, c'est chiant. M'en fous. M'en fous. Ok, bon. J'ai pris son arme, je suis très content. On peut pas descendre avec la corde, ok. Puis de faire le tour, c'est chiant. Bon, là j'ai l'arme. Je devrais pouvoir l'utiliser la prochaine fois. J'ai fait moins bien que la première fois quand même. C'est quand même assez inédit de faire moins bien la deuxième fois que la première, quoi. Tu as réalisé l'épreuve d'assaut permet de voir des vagues successives de machines. C'est le seul moyen. L'épreuve commence. Laisse-nous un moment. Je pense que je vais prendre le. Bougez pas, bougez pas, par pitié, bougez pas. Voilà. Putain, il bougeait ce con. Chose à foutre que de me prendre des coups par ces merdes.
Allez, et de 1. Super. Putain mais... Putain mais j'en ai marre, j'en ai plein le cul. Je me prends la max par des merdes. J'adore ça. Allez, avancez. Allez, avancez. Voilà, super. Là normalement je vais avoir, voilà, celui-là. Hop là, toi tu crèves. Aïe. Quoi? Le pigeon il est déjà là? Super. Non. Allez vas-y, tu prends dans ta gueule. Ok, non. Super. Le deuxième. Voilà. C'est où? Putain mais vos merdes! Non mais baisse-toi. Merci. Putain, j'ai pas pris les bonnes flèches. Je suis trop un connard. J'étais bien. Putain, j'étais trop bien. J'ai pas pris les bonnes flèches. Super. J'adore. Je kiffe ma vie. Oh, ça me fait chier. Allez, tu dégages. Coucou Johanna, coucou Blackie. J'arrive, ça râle déjà. Ce sont des veilleurs rouges. Ce sont pas des merdouilles. Si, c'est des merdouilles. Oh merde, mais il y a tellement de moments où j'ai chié dans la glu, quoi. Va falloir step up hein. Bon sinon comment ça va tout le monde? En même temps ça me fait de l'XP quoi.
Ah non, l'XP on la gagne plus après. L'épreuve d'assaut des vagues successives, c'est le seul moyen. Quand tu seras, laisse-nous un. Allez hop, c'est parti. Oh là là, mais arrête de bouger, putain! Ben voilà. Ah, j'avais oublié qu'il y avait ça, tiens. Ok, parfait. Voilà. Oh, il se barre. Allez, c'est parti. Loupé, 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 vas-y, vite, 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 vite. Tout loupé. Et je me fais toucher. Voilà, ça c'est bien. Parfait. Pas parfait ça. Ok, très bien. Venez vite, 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 vite. Voilà, et de 1. Ils sont en train de se gêner, c'est super. Merde. Non. Non mais barre-toi, 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 barre-toi. Ah c'est trop rigolo, c'est trop rigolo, on voit rien, c'est trop rigolo, on voit que dalle. Je sais pas où elle est son arme. Oh putain, elle est là son arme. Oh non, je suis dégoûté. J'ai pas vu quoi. J'ai pas vu que son canon était là. Putain. Disons que je voulais un réveil en douceur de la sieste. Dommage. Putain, j'avais le canon du ravageur, quoi. Comment j'ai chié. Ah, j'ai plus de... Ah, super. Bah, j'ai plus de ressources, en plus. Ah non, c'est parfait, hein. Non, mais ça, tu me le gardes. Non, mais tu me le gardes, ça. Pourquoi tu le poses ?
Ouais, voilà, non, 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 tu me le gardes. Je sais qu'il va disparaître, mais... Putain, je suis deg. J'avais le canon, quoi. La caméra un peu merdique tire quand même. Je veux pas dire mais... Quand on est contre les murs c'est mort, on voit rien. Non 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 mais non 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 non. Non non mais tu me la... Non tu me rattrapes ça, merci. Je sais pas pourquoi tu me la... Elle peut pas me la rattraper. Elle peut pas le prendre. Attendez. Je vais le mettre en bas de la corde, on va voir. Allez, mais prends-le! Oh là là, c'est chiant là! La chance me sourit. Juste pas drôle quoi. On va voir s'il est encore là quand je reviens. Mais j'y crois pas. Peut-être des ressources là-dedans, non? J'aurais dû prendre un chariot. Ah, super. Deuxième plat. L'épreuve d'as des vagues succès, c'est le seul. Je compterai. Laisse-nous un. Cette tentative d'arnaque. Qui ne marche pas. Si elle marche! D'accord. Oh, ça marche. Merde. C'est con, c'est con. Ok. Et cours. Non mais vous avez vu ça? Genre il... À l'instant où je lui tire dessus, il se téléporte. Est-ce que c'est pas du foutage de gueule quoi? Est-ce que c'est pas du méga foutage de gueule? Que le machin se téléporte pile au moment où je tire dessus quoi. Pff, à chaque fois je me foire. Bah ouais, bah évidemment que je me prends le recul là. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah c'est trop rigolo. Et lui là... Allô? Non mais le jeu bugué quoi. C'est bon hein.
Merde, merde. Quoi, il est déjà là lui? Oh, c'est pas plus mal. Oh, c'est bon, regardez. Oui, vite, cours. Cours à l'œil. Vas-y. Tu peux le faire. Il est où? Il est où? J'ai réussi? Putain, j'ai réussi! Oui! C'est limite douloureux de te voir autant en souffrance en vrai. Désolé, hein, j'ai beaucoup crié. Mais Non, mais vous avez vu les bugs que j'ai quand même? C'est quand même un peu dégueulasse. Vous avouerez. Les trucs qui se téléportent, moi qui me téléporte, est-ce qu'il y aurait pas un petit problème quand même? J'ai pas vu de bug. Alors le principe c'est de regarder l'écran. Alors le principe c'est de regarder l'écran où il y a le streamer. Et en fait c'est là où il y a le jeu. Et vous allez me voir jouer au jeu. Vous allez me voir moi en plus. Qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Bien que mes cris d'animaux n'ont pas été très agréables pour vous, j'entends. Et pour ça, je vous présente des excuses. Sincères. Mais j'étais un peu en stress. Pas besoin de conséquences, je te regardais. C'est faux. Mais t'as pas vu quand Aloy a été transporté dans l'eau? Il y a Aloy qui s'est téléporté quoi. Faisez-moi un clip. Et aussi ça. J'ai pas rêvé hein. Enfin j'espère. Alors, il me faut des cordes comme d'habitude. Toujours ce qui me manque évidemment. Enfin pas des cordes mais des fils électriques d'ailleurs. Bon. Alors. J'ai eu celui-là, je suis très content, mais j'ai pas eu le premier, quoi. Vas-y, on va aller vendre des trucs au... Non, mais je vais d'abord parler... oui, voilà. Je vais d'abord parler à la machine. On va essayer de pas faire bugger la quête en allant parler à un marchand entre deux. J'ai pris la victoire par la gorge. Avant toi, aucun étranger. Eh ben écoute, je suis très content. Je me suis assez en... Alors, passe à... Putain, c'était le stress ce truc. Ça j'ai tout, ouais, donc hop. Donc je peux faire ça, je vais acheter masse de câbles électriques. Putain, mais j'ai tellement de... ça je peux vendre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Marqué à vendre. Est-ce qu'il y aura une fonctionnalité du jeu que j'aurais pas utilisé depuis le début? Peut-être.
Et je disais oui que je voulais acheter du fil électrique. Tellement de sous. Et pour le premier, je me demande s'il faut vraiment que j'utilise l'arme comme ils disent ou pas. Figurines. Ah mais oui. Figurines d'animaux, les cartes pigments, les cristaux. Ah bah le cristal bleu, mais oui, mais tellement. Ah, il me faut une peau de chèvre. J'ai qu'un os de blaireau et je vais le claquer pour ça. Ok. Je me doutais, oui. J'aurais dû m'en douter qu'il y avait ça. Donc ouais, faut vraiment que je tue plein d'animaux, quoi. Allez, petite sauvegarde. Et on va retenter le premier. Ah, ok. Figurine de animal. Là, il y a un... Il y a un totem aussi. Là, il y a encore un totem. Là, il y a les vilains... sont méchants. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un truc un peu à l'écart, là. Je comprends mieux. Pourquoi il y avait ça? Ok. On peut arriver par en haut, non? Maybe. Bon. Le premier, ouais, c'était tuer les machins super rapidement, là. Mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser que le foudroyeur, quoi? Il dit quoi? Les meilleurs chasseurs. J'ai pas fait attention, t'as réussi toutes les épreuves en or. Non, bah non. Tu vois, regarde la première, j'ai réussi que même pas l'or, tu vois, le bronze. Même pas l'argent, je voulais dire. Et la dernière, faut être chef de clan. Et j'ai pas. Il doit me manquer une quête pour le faire, en fait. Je pense. Cette épreuve est la plus dangereuse organisée dans les Champs des Neiges. Seul un chef peut la tenter. Je pense qu'il faut que j'aille affronter machin, que je lui prenne sa place pour pouvoir le faire le chef de clan derrière. Mais déjà, maîtrise là. Maîtrise teste la capacité d'un chasseur à maîtriser la puissance du foudroyeur. Ouais. Seuls les plus sages comprennent ces armes chamaniques. Et seuls les plus braves s'en servent. L'épreuve commencera. Laisse-nous un moment pour attirer. Et donc là, il faut que... tuer les machines avec le foudroyeur, quoi. Il faut que je fasse full foudroyeur ou pas? En fait, c'est ça la question que je me pose. C'est est-ce que je dois faire que du foudroyeur ou... Parce que tout à l'heure, ce que j'ai fait, ça a pas l'air d'être super efficace, hein. En même temps, une fois sur deux, je vise à côté, mais... Super. Je me demande si lui, faut pas lui éclater d'abord, ouais. Lui, faut sûrement lui péter toute son armure avant. Ouais, je pense. Admettons, si je fais ça. Mais pourquoi il me fonce dedans? Il m'énerve. Ouais, pas assez de machines, ouais. Donc faut vraiment que je les termine avec le foudroyeur, quoi. Ok.
Ça devrait en Sevenol chez moi, je reviens. Oh la merde! J'espère que ça va aller. Tu n'as pas réussi l'épreuve. Je vois que tu as un foudre. Je vois que tu as un foudroyeur. Ah! Pour le moment, tu peux toujours. Ok. D'accord, ça c'est mieux maintenant que j'ai des charges. La meuf qui s'inquiète quand même parce que j'ai pas de charge. Et donc ouais, je suis en train de me demander si d'abord je vais pas utiliser celui-là. Histoire de faire péter les protections. Et derrière, je bourrine quoi. Tu as de la ténacité. L'épreuve de seuls les plus. Quand tu seras... Laisse-nous un moment. Parce que sur les premiers, ça a marché. Oh, mais je commence direct à me faire défoncer, quoi. Quoi ? Alors, il m'en mode plein la tête, quoi. Et après, est-ce que je peux l'avoir ? Je vois plus rien. Ce que j'ai pris. C'est pas ça que je voulais faire, mais... Ok, où ça? Ouf! Il a rien pris. Et merde! Il y a un truc que je comprends pas. Je pense qu'il y a un truc qui me manque, ou enfin c'est peut-être du skill en fait. C'est peut-être du skill qui me manque, je sais pas. Mais je pige pas comment lui on peut l'avoir en 55 secondes quoi. Je l'ai fait en 1:27. C'est toujours utile, mais très amer. On va pas tirer sur autre chose. On va fermer. Voilà, on va fermer cette quête là. Troisième. Oui, je pourrais fermer. J'ai failli. Hein. C'est tout ce que je reviens quand tu. Faudrait que je regarde comment. Il y a peut-être un truc que j'ai pas pigé là. Clairement. C'est assez zarbi. Reprends une arme normale, ouais, par contre. Ah, faut pas que j'oublie les animaux, ouais. Ou je tue les petits animaux. Ouh là là, il y en a plein là. Il y a plein de petits animaux côte à côte là. Quoi ?
Ah, elles sont malines les chèvres, hein. Elles me voient débarquer, mais à 12 bornes, quoi. C'est quoi qu'il me fallait tout à l'heure? Je suis debout et avec à manger. Ah. C'est quoi le miam ce soir? Dis-nous tout. Encore une chèvre. Non. Désolé, petite chèvre. J'ai rien contre toi personnellement, mais... Elle est bien fraîche, tu m'étonnes. Tu m'étonnes! Le roc du héros. Il y a des gens chelous là-bas. Oh, pas très nourrissant, chocolat chaud avec une tartine de pain grillé. Ah. Une nouvelle quête. Si Ikri ne revenait pas. Elle reviendra, elle ne se ferait jamais avoir. Mais si jamais, nos difficultés. Alors c'est mes lances qui vont le plus loin. Et moi je suis le plus rapide pour grimper sur de la glace. Pourquoi tes chasseuses se sont aventurées si loin? Nous sommes la dent blanche, descendues de la mâchoire de Banur pour faire passer des tests aux aspirants. Un test? Dans cette zone de chasse? Non, c'est une épreuve. Survivre sur le glacier de la voie de la lame, comme nos ancêtres. La saison a été dure. Deux jeunes manquent à l'appel. Nous attendrons, puis nous bénirons leur effort, et nous partirons. En quoi consiste cette épreuve? Il faut escalader le glacier et survivre 4 jours et 4 nuits, sans rien d'autre que le sol gelé et les machines. C'est bien, c'est malin. Le chaman a béni l'épreuve et autorisé leur chasse. Parfait, bonne idée, hein. Le reste est interdit. Et pour les deux qui ne sont pas revenus? Elles devaient affronter cette épreuve seules, leur vie, leur mort. Ceux qui reviennent savent que la dent blanche les accompagne. Quant aux autres, la dent blanche note leur tentative. Quel grand cœur. Vous êtes de Banur? Vous connaissez Aratak et Ouréa? Ces noms sont connus. On les chante beaucoup. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils vivent ici, dans la plaie, et pas parmi les grands Vérac. Leur obsession pour le fût du tonnerre sera leur perte. C'est quoi la dent blanche? Des guerriers, les premiers et les meilleurs. Tous les chasseurs avides de combat veulent nous rejoindre. Depuis que les machines sont enragées, le combat est permanent. On est servi, hein, chaman? Chaque jour, la foudre claque dans la fumée du combat. Chaque nuit, nos chants... Et comment ils font pour être bras nus avec un crop top? Vous n'allez pas chercher vos chasseuses disparues? Un jour. Au fil des mois, la fonte des glaces amène souvent les corps. Ah, non mais j'y crois pas. S'il y a une chance qu'elles soient en vie, j'irai les chercher. Même si elles sont en vie, elles n'accepteront pas ton aide, étrangère. Pour nous, la survie est sacrée. Nous ne pouvons compter sur rien d'autre. On verra. Vous avez réussi une épreuve. La prochaine, c'est le silence. La survie est sacrée. Donc on laisse les gens mourir? Les bandits ont réussi à se faufiler dans la plaie. Ils sont chauds, ah, je sais pas comment. Hein. Clairement je sais pas comment, parce que... Il caille un peu quand même. Hein. Bam 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 bam. Est-ce que j'irai pas chercher le feu de camp qui est là, puis le feu de camp qui est là, puis faire ça aussi? Pourquoi je l'ai pas fait? J'oublie plein de trucs. Pourquoi il y a un petit chemin? Pourquoi tant de questions? Pourquoi il y a un chemin aussi ici? Pourquoi il y a un machin là aussi que je dois pirater? Où suis-je? Où vais-je? Ok, donc ça c'est les chasseuses, c'est là. D'accord, donc c'est... Oui. D'accord. C'est ça qu'il y a un petit creux là. Parce qu'il y a des chasseuses. Ok, j'irai après. Parce que là, tout de suite maintenant, je veux mon feu de camp. Si nous ne l'arrêtons pas... Descendre par là? Oui. Aïe.
Comment ça, aïe. Ok, les petits animaux. Est-ce qu'il y a des petits animaux à trucider ou pas? Dans le coin. J'ai pas l'impression qu'il y ait des petits animaux à trucider dans le coin. Dommage. Hop là! Oh, oh l'œil. Un veilleur. Ah! Un petit écureuil là. Qui me voit? Quoi? Je vais garder ça pour la route. C'est quoi là-bas? Non, 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 non. Casse-toi, casse-toi, t'as rien vu. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Hein? Ah, je vais dans le bon sens là. Non? Ah, c'est par là. Pourquoi la flèche, elle me dit complètement l'inverse là? C'est connerie. Ah, le feu de camp, je l'ai eu. Je l'ai eu bien au-dessus, mais je l'ai eu. Moi, comme un couteau. J'ai déjà été en t-shirt par moins 17, un jour sec et sans vent, sans avoir froid. Ouais, mais là, il y a de la neige. Tu vois, là c'est sûr que là, c'est sûr que c'est pas sec, étant donné qu'il neige. Je pourrais avoir l'autre. Je pourrais aller chercher l'autre pendant que j'y suis. Aïe. Mes genoux. Après t'es pas super bien. Ah non mais t'es non mais je dis pareil hein, de à l'œil hein. Je sais pas comment on a fait pour tenir avec avec ces températures là quoi. Ah 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 ah. Ah, l'autre chèvre elle a rien vu hein. Ils ont des câbles anti-gel. Tu crois que c'est de l'anti-gel dedans? La couleur ressemble. Hein. Bon, bah, je suis bien déçu par contre pour ce que je viens de récupérer, mais bon. Des animaux? Encore des chèvres? Que des chèvres. Ah 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 ah. Tout gèle, le sol, l'air et moi. Du coup, t'aimes les nouvelles armes? Bah c'est bien bourrin. Bonne viande. C'est bien bourrin, donc oui, j'aime bien. J'ai... Ah oui d'accord.
J'ai un petit poisson là. Merde, qu'est-ce que je fous? T'as pas vu là-bas? Il y en a deux? Complique la tâche. Aïe! Oh, je l'ai pas vu venir ça. Mais non, mais vas-y! Ils vont pas me toucher là. Il me restait combien de vie? Sois prudente quand tu chasses vers le puits de pierre. Ça grouille de bandits. Non mais la blague! Fais confiance au chaman. La lumière montrera la voie pour vaincre les nouvelles machines du Daemon. Non mais j'étais full life, non? Je déconne pas, j'étais full life. Je t'avais prévenu que ça piquait dans le coin. Non, non, mais ça, j'en doute pas, mais... J'étais full life, je déconne pas. Ah, petit lapin. Tant pis. Non, mais que ça pique. Je l'entends. Que là, Jean-Michel Mob. Jean-Michel Mob qui me tabasse. J'ai du mal à comprendre, mais... Un biro. On tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Servir.
Attendez, j'ai bien vu une chèvre. Ah oui, elle est là. Oh là là. Semblait bien que j'avais vu une chèvre. Petit écureuil porte sur son dos. Ah ouais. Tiens. Ah, c'est une chouette ça. Je voulais tuer un écureuil, j'ai buté une chouette. Ça peut servir. Bon, la discrétion assurée là. Un petit feu de camp. Bon, est-ce que je vais arriver à faire comme tout à l'heure? Ou pas? Parce que j'avais réussi à pas me faire repérer. Ce qui était tout de même assez appréciable. Avance! Putain, mais... Ah mais ils vont pas mourir. Oh, je vois rien par contre. Je pensais que ça me toucherait pas, mais Allez, une en moins. Est-ce que je m'attaque à lui là? Bouge pas merdeux.
Allez, mais saute! Aloy, qu'est-ce que tu fais? Attendez, non, non, non! Oh, je vois rien. On va essayer d'éliminer les méchants au fur et à mesure. Hein. Ah, oh, 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 on est bien là. Non, non, non! Évidemment, évidemment, je passe derrière des feuilles. Pile au moment. Pas de munitions. Quel boulet. C'est bon, il m'a pas vu. Pas vu, pas pris. Mal visé, mal visé. Oh nice! Super. J'ai refait la même. Non, 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 monte, 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 monte. Merci, merci. Oh les... Les feuilles quoi. Lève ton glace. Là. Non. J'ai visé à côté. Quel con. Elle lève. Bah ouais, bah évidemment. Bah ouais, bah évidemment. Ça dure trop. Ça dure 12 plombes. Voilà. Tu vas moins me saouler toi. Perfecto. Bon bah voilà. Y'a plus de vie là. Ah je crois qu'on m'a vu derrière. Bah voilà. Ça, c'est réparé. On est bien. Ah, j'ai tué deux poissons. Oh.
Ah, je l'ai pas vu venir lui hein. Putain, y'a son pote là derrière. Ouais. Et tu son pote. Merci. Oh toi c'est bon, tu peux venir. Voilà, ça me pose pas de problème. Toi c'était ok. C'est déjà plein. Ah, donc à partir du moment où c'est plus affiché sur la carte, c'est que c'est ok quoi. Ok ok. Je vais retourner au feu de camp là, je vais sauvegarder. Puis je vais aller au suivant. Hop. On est bon. Et donc le feu de camp il est là. Et ben on va aller voir ça tout de suite. Ah. Une chouettos. Mais toutes les chouettos s'en vont là. Et y a un truc. Caisse de ravitaillage. C'est pas grave. Ah, y a des secrets là. Ursus Americanus, l'impressionnant ours noir américain, présenté par Montana Récréation. Magnifique, tu devais être une référence. Ce poil, tu sentais même pas le froid, je parie. Il t'avait pas préservé. Est-ce que quelqu'un saurait que tu as disparu? Des visiteurs est un fiasco. J'estime sa valeur stratégique et opérationnelle à environ 0,0. Il n'y a aucune raison de ne pas envoyer le personnel dans un ADAV à destination. Il n'y a aucune raison de ne pas envoyer le personnel dans un ADAV à destination du bout du monde dès la fermeture des portes. Profite.
quantité de votre salaire minimal, abruti. Ah ah ah. Qu'est-ce que ça va me rapporter ? Truc nul. Ah 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 ! Rune chouette là. Désolé les petits animaux hein, mais... Je suis obligé. C'est pour avoir des ressources. De t'interrompre. Ah, je... oui, bonjour. Wow, une étrangère à l'hôtel des bêtes oubliées. Bienvenue. Je suis Enjuk. Aloy. L'hôtel des... quoi ? Quand l'ancien monde vivait encore, un grand homme a dédié à cette bête un petit totem pour préserver son apparence. Quand on pose le totem sur le piédestal, ah, c'est comme si l'animal était... peint à même les airs. Et il revient à la vie. Enfin, presque. Ouais, presque. Hein. Il y a 7 piédestaux. Et les 6 autres figurines. Ah, ok. Les figurines, c'est bien de là. Sauvage. Je me suis souvenu des encoches sur ces piédestaux. Et j'ai vu qu'elles correspondaient au totem. Mais okay. Comme tu le dis, il y en a 7 au total. Le grand Montana Récréation a dû en faire d'autres. Mais elles se seront perdues. Mais moi, je vais les retrouver. Donc, ces totems, les images qu'ils montrent représentent des animaux qui n'existent plus, disparus, comme les anciens. Certainement, et dire que nous ne verrons plus jamais ces magnifiques créatures qu'on ne les connaissait même pas. Les bêtes nous sont aussi indispensables que les machines. Leur viande, leur peau, mais est-ce qu'on les étudie autant ? Moi, oui. Par exemple... j'ai une théorie sur les renards. Pourquoi est-ce que leur poil est rouge ? Pense un peu à ce qu'ils mangent. La viande ? La viande crue. Rouge de sang. Tu vois ? Un lien de cause à effet. Une relation logique. Ça explique tout. Pas vraiment. Tu t'intéresses beaucoup plus aux renards que moi. Toi aussi, mec, tu manges de la viande. Et t'es pas rouge. Qu'est-ce que t'en dis, Enjuk ? Ah, et donc je peux. C'est pour chaque figurine, on peut récupérer un truc. D'accord, ok. Et donc ça, maintenant, je peux le récupérer parce que j'ai les os de chèvre. C'est cool. Et ça, du blaireau. Faut que je trouve du blaireau. Eh ben, on va chercher du blaireau, hein. Qu'il y a des blaireaux dans le coin. Os de chouettos. Merci, Aloy. Là, avec quelle fierté ils posent sur leurs piédestaux. Montana Récréation a su les immortaliser. Tu dis qu'un grand homme a créé ces figurines ? Exact. C'était, j'imagine, un savant du monde naturel. Comme moi. Mais ses connaissances surpassaient les miennes de très loin. Ça devait être un commercial grand tout nul. Montana Récréation. Sans doute l'un des érudits les plus éminents de l'ancien monde. Sa voix dit que les totems sont sa création, réceptacle de son savoir accumulé. Je ressens le même désir. Comprendre les bêtes et classifier leur comportement, préserver leur image. Et
J'aime à penser que je suis une sorte d'apprenti qui poursuit son travail. Un jour, peut-être, si je m'en montre digne, je prendrai son nom. Enjuk Recreation. Ça devait être son nom, effectivement, ouais. Bien sûr, j'ai suffisamment abusé de ton temps. Mais... si j'en trouve d'autres... Ursus Arctos, le menaçant ours grizzly, présenté par Montana Recreation. Il devait trancher les gens en deux avec ses griffes. Jeune peut-être, mais tu as entendu son nom. Il l'a appelé Grison. Vieux, il a passé l'âge de chasser. Edocoilus Virginianus, le splendide cerf mulet. Présenté par Montana Recreation. Ah, il n'a pas l'air d'un prédateur, mais il semble que ses cornes lui servaient peut-être à tuer ses proies, puisqu'il n'avait pas de crocs à serrer. Ursus Americanus, l'impressionnant ours noir américain. Présenté par Montana Recreation. J'aurais pas aimé me retrouver face à cette bestiole. Je crois plutôt que j'aurais trouvé ça fascinant. Quelle belle bête tu étais. Elle bute des trucs 12 fois plus grands, quoi, mais... mais là, un petit ours, ça fait... oh là là, l'ours... un peu balèze, quoi. Ok. Ah, maintenant j'ai les pigments sur ma carte. Où est-ce qu'on va aller? Eh ben on va aller. Je vous le donne, Emile. Zut, j'ai foiré mon effet. On va aller en pause. Eh oui. Je vous abandonne, c'est l'heure pour moi. Bah voilà, je pars en pause parce qu'il y a Blacky qui s'en va. Donc, des bisous YouTube. À la prochaine.